Salut tout le monde. Salut. On revient pour la Homemade Box du mois de janvier. Oui. J'adore sincèrement le principe de la Homemade Box. Pas parce qu'on ne sait pas du tout à chaque fois ce qui nous attend dans la box. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors j'ai bien sûr parcouru le petit fascicule que vous avez toujours avec. Ouais. Et il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a que des choses. Yes. Complètement. Et qui ont l'air trop bonnes. Et ça a l'air trop bon. Trop. Pas de sushi. On va faire comme d'habitude. On va le mettre là. On va le mettre là. Coucou. On va cacher. Vous avez reconnu. Coucou. Allez, on te cache. Voilà. Et on pioche. Et on pioche comme d'habitude. Et on va bien sûr noter. Ah bah c'est les nouilles. C'est pas des nouilles que tu mets dans l'eau ou Ah donc on mange maintenant. On peut les manger, ouais, c'est comme des petits snacks. Baby Star au yakisoba. Et elle a ouvert comme un sagouin. Ça sent comme quand vous ouvrez une boîte de nouilles instantanée et ça se présente comme des nouilles instantanées. Voilà des petites Petites nouilles comme ça quoi. Comme vous l'entendez, c'est hyper croustillant. Ouais. Ça a le goût des nouilles instantanées qu'on mange, mais sauf que c'est sec. C'est bon. C'est très bon. À la fin, on a un goût de poisson un peu. Tout à la fin, je sais pas, il y a un truc. Bien. Parce que c'est au calamar. 7. 8. Tu mets pas plus que 7. Non. Enfin. Je mangerai pas ça pour remplacer les chips. Oh, moi si. Moi je trouve ça original, justement j'aime bien tout ce qui sort un peu du commun, donc moi je mets un 8. Oui. Aérial, taraco et beurre. C'est un snack de maïs formé de 3 couches différentes. Au Japon ça se mange avec du riz ou des spaghettis. Oh, c'est bizarre. Waouh, ça sent fort le poisson. Ça se présente comme sushi. Ça a l'air pas mal du tout. Ah ouais, c'est on dirait des feuilletés, je sais pas, c'est assez bizarre. Oh, la texture est géniale. Waouh. Waouh, les goûts. Ah, les goûts. Oh, il y a plein de goûts. Il y a plein de goûts. Non, mais ça j'adore. Super croustillant. Ça je peux remplacer par les frites. Ah, par les chips. Oh, c'est trop bon. Là je mets un 10, mais alors 10, 10, 10. Sans hésiter. Ah ça c'est la petite surprise. Ah non, c'est le Kit Kat. Kit Kat au saké. Qu'est-ce que le saké pour toi? Sans en lire. Du riz? Non, pas du tout. La sauce Pas du tout. Je sais pas. C'est de l'alcool. Ah. Et le taux d'alcool de cette édition est limité à 8%. Ah, ça sent fort. Ça sent fort. Oui. Tu veux quand même goûter avant hein. Vas-y, ok. Alors, comme elle s'est jetée dessus, on le sent. Mais je crois qu'il faudrait déjà manger une quantité astronomique pour pouvoir dire qu'on a une dose d'alcool dans le sang. Vous. Oh. Moi j'aime bien. Moi j'aime pas. Combien tu mets pour les petites sucreries ou... 5 parce qu'il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Alors moi je vais mettre un 7 parce que c'est pas mauvais du tout. Ça me fait un peu penser au praline et à la liqueur, mais sans avoir le liquide, vous voyez. Ouh, les mochis. Les mochis. Vous comprendrez que nous sommes fans de mochi, mais à quoi est-ce? Mochi pudding. Traditionnellement, c'est des choses qu'ils mangent au repas de Nouvel An, les mochis. Ça, je ne savais pas. On en a deux. Ah, j'adore la texture du mochi, c'est tout mou, c'est... Ah, c'est comme du jaune d'œuf, un peu, on dirait, dedans. Moi j'adore. C'est sucré. Il y a vraiment le goût du pudding. À fond. À fond. Hein. À fond. À fond. On dirait de la danette à vanille. Exact. L'intérieur, on dirait vraiment de la danette vanille, mais en plus. Plus jaune. En plus concentré. J'adore les mochis. C'est trop bon. Je mets un 10. En plus. Oh, il y a un truc bizarre. À la base, c'est le fourrage qui est là. Dans le petit pain, ça doit être des haricots rouges. D'accord. Mais là, c'est du chocolat. Ah, ils ont remplacé ça par de la pâte de chocolat. C'est des chocos rampan. On dirait des petits burgers vu qu'ils ont des petites. Des genres de petits grains de sésame dessus. C'est trop mignon.
Alors, est-ce que c'est feuilleté? Est-ce que c'est brioché? Brioché. Ouais. Ça ressemble plus à une petite brioche avec du chocolat dedans. C'est bon, mais c'est pas transcendant. Mais c'est beau. La preuve. Moi je m'insiste parce que c'est pas... Voilà. Mais c'est bon. Je m'insiste parce qu'il y en a quand même beaucoup et c'est très bon. Qu'est-ce que c'est? Wasabi. Alors qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est des chips au bœuf et au wasabi. Et à wasabi. Mais ils disent que le wasabi ça c'est pas trop fort. Ouais, ils le disent. Donc ça va en fait. Alors ça sent pas super fort. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans chaque what do you mean? What do you mean? Dans chaque what do you mean? C'est fou, dans chaque what do you mean? Vous aurez chaque mois dans la Homemade Box un paquet de chips différents avec des goûts différents. Mais ça ressemble vraiment à des chips là. Mmh. Ça ressemble pas à autre chose, ça ressemble vraiment à une chip. Merci. Traditionnelle. Le bœuf. Oh il y avait un fond. Un fond. Moi j'aime beaucoup. La texture, c'est la texture d'une chips traditionnelle. Mais vous avez vraiment le goût de la poudre de bœuf, vous voyez. Ouais. Comme du bouillon. Et en plus, avec un goût de wasabi dessus. Un bon 9. Ah, un bon 6. Umaibo. Pizza. Parce qu'il y a un petit dessin de pizza. Et là, on voit le drapeau italien. Dans chaque Umaibox, il y a deux Umaibo. Celui-là, on l'a déjà goûté. Maintenant, c'est difficile de nous surprendre avec des Umaibo parce que. On est grande fan. Mmh. On n'a jamais goûté. Mmh. Si. Mmh. Goût pizza. Ah, et on sent vraiment la pizza. Ah là, on sent un fond. Hein. Alors, comme dans chaque note pour les Umaibo, nous mettons un 10. Pikachu. Ramonet, Pokémon qui évolue. Pourquoi qui évolue? Parce qu'en fait, à un moment, on a donc goût fraise. Mm-hmm. Puis si on attend un peu dans la bouche, on aura goût melon. Ah, et d'accord. Si on croque directement, on aura goût pastèque. D'accord. Ça ressemble à ça. Je l'ai mal ouvert. Des petites bouboules. Ah, là, c'est fraise. Mm-hmm. Premier abord, fraise. Moi, j'ai croqué. Aïe. Le goût pastèque. Quand on croque. Le goût melon. J'adore le goût melon ou pastèque et tout ça. Donc, voilà. Je mets un 7 parce que c'est pas les goûts sont pas transcendants non plus, mais c'est original. Moi je mets un 7. Moi aussi. Ah les chips au chocolat, enfin recouverts de chocolat quoi. Les Jaga Choco. Quoi, ça ressemble à ça. C'est recouvert un peu de chocolat au-dessus. C'est une chips avec du chocolat dessus. J'aime bien le mélange sucré-salé moi. Moi j'aime pas. On sent pas beaucoup le sel. Ah ouais, ah t'aimes pas mais t'en reprends. Je mets un 9. 8. J'essaie de prendre un ouais, bon. Et c'est saveur crevette maillot. Oh oui. Oh oui. Et ça sent la maillot. Ça sent pas la crevette, ça sent la maillot. J'ai l'impression de manger un sandwich avec de la crevette maillot à l'intérieur. Ah ouais. Mais on... Ah, à la fin, on sent la crevette. Ouais. C'est trop bon. 10. 10, 10, 10. Parfois, tu me fais peur. Oui, les petits croissants. Les mini croissants et la fraise. Parce que la fraise, bah, c'est écrit là. Et c'est des grosses fraises de japonais. Et puis voilà. Baikuru fraise Amaou. Amaou. Mon mini croissant croquant avec une pâte feuilletée. S'ils sont roses, c'est parce qu'ils sentent la fraise. Ça sent la fraise. Hein. Oh, on dirait des. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au caramel corne. Ouais. C'est un peu dur. C'est exactement la même texture. Ouais. Que les caramels corne. J'aime pas trop moi les caramels. Ah, j'adore les caramels corne, donc moi je ne peux que aimer. Un 7. Un 10. Alors ça, on va pas le faire. Parce que ce sont des nouilles instantanées. Et pardon, c'est pas des nouilles, c'est de la soupe. La soupe. Soupe miso instantanée. Eh bien, à mettre de côté pour. Pour toi, parce que je sais, c'est. C'est. Au tofu et à l'algue.
J'aimerais bien. Moi, je suis contente parce qu'il y a à chaque fois une petite soupe ou, une, ouais. ou des petites nouilles. Moi, j'aime bien. Ah oh, oui, je le voulais, moi, ça. Alors ça me fait peur. Donc, c'est des petits bonhommes. Donc là, on voit un petit bonhomme. Et le petit bonhomme, il est enrobé de trucs acides. Il s'agit d'une boisson énergisante. Donc, le goût, c'est une boisson énergisante. Genre Red Bull ou un truc comme ça. Voilà. Oh, c'est marrant. Ceci était le bruit de l'homme qui court. Oh, j'ai peur. Bon, ouais. C'est petit. Moi, j'aime bien. C'est très citronné. C'est une gomme au citron, en fait. Moi, je sens pas le côté énergisant. Il y en a certainement, mais... C'est pas mal, mais c'est pas fou. Donc je vais mettre un 6. 7. Donc, on arrive à la fin et nous découvrons un petit panda. Sakusaku panda saveur pomme et crème pâtissière. Chocolat avec de la pomme. Ah, c'est bon ça. Mais il n'y a pas que du chocolat, il y a des biscuits. Voilà, c'est des petits pandas. Vous avez le chocolat blanc là et vous avez un genre de petit biscuit au-dessus. Il fait peur là, celui de ce côté. De ce côté-là, il fait un peu peur. Côté kawaii, zombie. Moi, je suis pas fan de chocolat blanc à la base. Non, moi, je suis très fan. C'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ah, si, c'est bon. Ça se mange. Ah, ça... Mais je vais mettre un 5, moi, parce que je suis pas fan de chocolat blanc. Moi, je mets un 7. Alors là, c'est très bizarre parce que c'est des umaibo. Oui. Mais découpé en petits morceaux. C'est les Umai Sugar Rusk. C'est des Umaibo sucrés. Ça va être... sent le beurre. Hein. J'adore le beurre. C'est vraiment des petites biscottes. Hein. Ah ouais. C'est les Umaibo mais sans le trou à l'intérieur quoi en fait. Ouais. Oh ça sent le beurre à crever. Oh. C'est bizarre. Ah c'est bizarre. Moi j'adore. J'adore le goût parce que c'est beurré et j'adore le beurre. Moi je sais pas, je n'aime pas trop là. Je suis au paradis. Yeah. À 10. Oh. À moi, un 7. Parce que je. Voilà. Mais on sent vraiment fort le goût du. Ouais. Du beurre. Il faut vraiment aimer le beurre et moi j'adore ça donc ça me dérange pas. Et voilà. Voilà, on a tout fini. Comme d'habitude, je trouve ce genre de box absolument génial parce qu'on découvre plein de choses et le retour. Mais je fais la même tête. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mets le lien vers le site pour pouvoir aller voir les prix, ouais. Comment ça va. Voilà. Et j'aime vraiment beaucoup le concept de cette box. Je pense que c'est une de mes box préférées parce que franchement, c'est génial. On vous fait de très gros bisous gourmands et on vous dit à la prochaine. Ciao.